Un coup d'œil au classement dans l'Est. Ben, vous le savez maintenant, les Pingouins ont repris les devants, un point devant le Canadien. Mais le Canadien joue son match en main ce soir. Derek Roy s'amène en zone adverse. Roy toujours avec le 10. Derrière, bloqué par Poisson. Et c'est Higgins qui a poussé le disque dans son filet. Alors, surveillons Higgins. La rondelle avec son patin. Ah, c'est Higgins vraiment. Est-ce que c'est Roy qui a tiré vers le gardien? Ben, je pense. Alors, en tout cas, on va peut-être changer. Excuse-moi, mais Miller a fait tout un geste, Yvon. Kovalev effectue son tir. Ah oui, voyez la rondelle. Oui. Kovalev avec Grabowski et Lapierre. Une rondelle qui est touchée par Grabowski. Finalement, la rondelle revient vers Rafino Guénard. Mais Hammerlick est là. Hammerlick fait une chute. Voilà une belle chance. La fin et le tir est quatre victoires des Sabres. Et c'est là qu'ils ont perdu cette chance de participer aux séries. Oh, voilà un revirement et but! Right across ice, Kovalev didn't get the shot away. Straight the screen shot, they score! Deflected in front of the net, and Montreal is close to within one with 2.5 minutes left on the clock here in the third. Canadiens keeping it in, 15 seconds remaining, back to the point, long shot, rebound, they score! Plakanić, his second of the night, to tie the game! Here's Higgins trying to come out in first, and Roy tapped it away. Roy flipping it in behind the net. Koivu broke it up and got flattened by Pace for his trouble. Canadiens keeping it in, though. In front, they score! Maintenant, Chrétien Markstrom. Après sa bévue, il a préparé les trois autres buts du Canadien qui l'emporte 4-3. Quel revirement, tard en troisième. Trait du coin de l'œil, aperçoit Higgins complètement seul. Mauvaise décision du défenseur recrue. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une ouverture pour Christopher Higgins qui n'a qu'à pousser la rondelle derrière Miller, le défenseur recrue, c'était Weber. Le Canucks avec deux buts, première étoile. Derek Roy des Sabres avec deux passes, la deuxième. Et Chris Higgins qui a marqué le but de la victoire en prolongation. Troisième étoile de cette victoire de 4-3 des Canadiens.